Yo les gens, sympa d'ailleurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay, donc pas un gameplay genre carnage ni quoi que ce soit, mais un gameplay en mode... Merde déjà j'ai pas mes classes, bon d'accord, en mode pupute en fait, on va la jouer en mode... Oulala. Ouais alors si de temps en temps je fais des tentatives X, je sais pas pourquoi, c'est tout simplement parce que je viens de quitter GTA V sur PS4. Et donc j'en ai pas du tout, mais alors du tout les réflexes de Black Ops 2. Donc si j'ai pas sorti de gameplay depuis un moment, c'est pour ça aussi, tout simplement parce que j'ai joué à GTA 5 PS4. Et que sur PS4, je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus enregistrer mes parties avec la touche square de plus de 50 secondes, je ne comprends pas. Sur Advanced Warfare, j'ai arrivé enfin pas partager mais avec la touche square prendre plus de 12-13 minutes de gameplay. Là au bout de 50 secondes ça me bloque. Donc je sais pas pourquoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de gameplay depuis un bon moment. C'est pour ça aussi je pense que j'ai perdu des abonnés. Parce que j'ai vu que le nombre d'abonnés avait réduit sur ma chaîne. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pu jouer à Black Ops 2, donc désolé de mon faible level ou de mes tempos que je vais faire. Ou des fois que je saute pour rien. Donc si je saute pour rien, vous savez pourquoi maintenant, à cause de GTA V. La touche sprint, c'est X. Ce n'est pas avec les gars, enfin, les joystick. Oh putain. Donc comme vous pouvez le voir, j'aurais pu largement faire les 3, hein, mais je me suis chié dessus, on va dire ça comme ça. N'empêche, ça va, hein. 10 à 5, en retour Black Ops 2. Oh, c'est pas trop mauvais. Hein. Pour voir, c'est une partie en plus déjà commencée. Donc c'est pas, j'ai sélectionné le meilleur moment de la partie. Hein. Non, c'est juste la partie qui est tombée comme ça. Voilà, putain, ça j'y arrive plus du tout. Ça, je m'en doutais de ça. Que le saut sur le côté comme ça en visant, j'avais pu avoir shoot. Ça c'était obligé, ça je le sentais venir. C'était évident. Bon, lui, de toute façon, il était mort. Lui aussi. Ça va, il y a moins de joueurs. C'est soit il y a moins de joueurs bons sur Black Ops 2, soit. C'est moi qui est devenu fort. Lal. Putain. Comptez, je suis mort 9 fois. Enlevez toutes les morts par grenade. Et vous verrez mon total de morts. Sans déconner, putain, je me fais tuer à chaque fois par une grenade. On a marre ça aussi. Il m'a collé. Mais non! J'ai 25 munitions, il m'en restait plus que 2 et j'en ai mis les 3 quarts à côté. J'aime pas que c'était possible ça. Maintenant je sais. J'aime pas que c'était possible d'être nul à ce point là. Ah, voilà. Je suis nul. Oh, tous les doubles triens. Oh, le mec il a fait la 3. 3 filles de la quad feed. J'aime pas combien il a fait. Je pense qu'il a fait la quad. Après j'en suis pas sûr. Oh mais quel con, mais pourquoi je fais ça aussi? Ça fait 2 semaines que j'ai pu jouer, je tente les pré-shots. Normalement cette vidéo c'est une vidéo impact en mode pupute. Donc normalement c'est pas ces classes là du tout que je devrais avoir. C'est ma classe AN94, détecteur de cible et je sais plus ce que j'avais mis d'autre dessus. Oh le fils de chien. Il a pu te faire la quad feed. Oh là 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 là. En tout cas c'est bien parce que je me souviens au début de match on était en train de perdre, finalement on a bien remonté. Attendez les mecs avec les micros, on va gêner les mutes.
Donc, on va peut-être réussir à sélectionner nos classes quand même. Alors, on trouve une partie. C'est pas celle-là, c'est. Oui, alors, comme un pigeon, parce que je sais que je suis un gros pigeon, j'ai acheté les groupes de classes. Où sont? Ouais, il y a ma classe. Bon, tant pis, je vais la faire devant vous. Comme ça, vous saurez exactement ce que je vais prendre. Alors. Donc, c'est du live, hein, comme vous pouvez le voir, entendre au bruit. Voilà, c'est du live, c'est pas du mode studio. Alors, ça, on enlève. On prend ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Silencieux. Ça, on enlève. On prend. On prend. Voilà. Pour que ça fasse un peu plus stylé, on va prendre un arc. Voilà, c'est un peu en MME. MME, ça peut être pas mal quand même. Ça peut aller très très vite. Mais autant que ça peut bien camper. En plus, sur Express, la maison du milieu, ça peut être pas mal. Donc en ce moment, sur Black Ops 2, parce qu'avant que je quitte mon Black Ops 2 pour GTA 5 PS4, encore une game déjà commencé, merci. J'étais tombé sur vachement de lobby, Donc ça commence à me gaver un peu tous ces lobbies. J'espère que sur Black Ops 3, il n'y aura pas autant de lobby. Parce que sinon ça va pas le faire longtemps. Et j'espère qu'on va faire un bon Black Ops à l'honneur des deux autres. Parce que s'ils font un Call of Duty comme Ghost, qui était carrément nul à chier. Et nul à chier encore, je suis sympa. Parce que nous faire un Call of Duty pour dire ouais, je fais un Call of Duty, c'est bon. Ça va bien s'amuser de conneries. Et nous faire un Call of Duty comme Ghost, où la vie était à 30%, c'est-à-dire qu'on spawnait, on tire un peu n'importe où en oscope dans la map et ça a touché quelqu'un et on savait même pas comment. C'est bon, c'est assez gavant. Et avant de devoir faire les exosquelettes, ça va bien 5 minutes aussi. Hein, mais. Ok, je sais pas d'où ça tire. Bon! Concrètement, quand est-ce qu'on fait un kill? Parce qu'on est en 0,5. Impact fait-il le James Bond en live? Bon! On va changer de classe, je crois. Hein. Parce que là, ça pue un peu la merde. 0,6. Et bah voilà. Bon, finalement, on sera pas un épisode Impact version pupute. Mais Impact essaye de reprendre la main en fait. HS. Et bah, c'est quand même plus simple avec une petite carache. Oh, fils de chien. Bitches. Le prophète 54. Vraiment non, à chier toi quand même. Hein. Coucou. Allez, impact en mode fry. Attention. Impact est en partie. Impact ne sait pas parler surtout. Oh, magnifique fry. Non, je déconne bien sûr. Il fait quoi lui? Monsieur. D'accord. Il y a un monsieur qui est en train de regarder le plafond. Lui, à mon avis, il est technicien chez. Chez je sais pas qui d'ailleurs. Il a travaillé dans le plafond. Vous êtes plafonnier, lui. Bon. Oh putain, j'ai mal au cul. Bon, on va arrêter de faire le con un peu. On va se concentrer. Parce que là, on fait carrément de la grosse merde. Là. Et quand je dis de la grosse, grosse merde, vraiment de la grosse, grosse merde. Voilà, on se prend en plus, on se prend des grandes brouilleurs. On n'est pas dans la merde, tiens. Je cache tes frags, je me cache là. On rentre dans le spawn. D'accord, donc le mec il a fait le tour pour rien en fait. On est bien d'accord.
sous. Où sont-ils? Where is the enemy? Oh là 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 là. Bon les gens, si vous voulez voir du shoot, partez. Oh là 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 là. Oh qu'est-ce que je suis mauvais. Oh je suis nul. Bon les gens, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué. Donc soyez sympa. Et... soyez sympa et ne prenez pas en compte mon petit niveau là de reprise. Putain, 3,57 de ratio en face. The PGMHD. Il y a 2 semaines. Lui, j'aurais bien défoncé lui il y a 2 semaines. Bon. Concrètement. On va essayer de faire une bonne classe. Parce que là, ça pue un peu la merde là quand même. Hein. Sinon, sur Black Ops 2, j'ai peut-être un épisode. Ouais, non, je sais même pas si ça vaut, hein. Ça vaut la peine. Ah, téléphone qui sonne. Je suis désolé déjà. L'épisode T25 en or, je sais même pas si ça pourrait intéresser quelqu'un. Bon, donc là, faudrait que je fasse quoi dessus? Sans atouts, bah déjà que je suis une merde avec des atouts et tout ça, c'est bon. On va peut-être pas. Peut-être pas abuser non plus. Et on va prendre. Là, tac, tac. Hop, top secrète. Un petit niveau 23, bon. 1,54 de ratio, 3,89. Ok. Mais c'est que le mec, c'est qu'il a pas mal geeké, dis donc. The Last Warrior. J'ai un fake. Warrior. C'est mon petit fake. Stylé. Non, je deck. The Last Warrior. Je sais pas, c'est Mickey Cochon un peu. Je crois que j'ai déjà vu lui. Bon. Sinon. Overflow, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? À part rien et de la merde. Je ne vois pas. À part rien et de la merde, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je crois qu'on va direct prendre la scarache, on va pas se faire chier. Donc ceci est ma scarache nucléaire, comme vous avez pu le voir, c'est marqué classe nuque. C'est avec cette classe-là que j'ai fait ma nucléaire dans Nuketon. Et d'ailleurs, t'as une vidéo bonus à la base, donc je devais en faire une autre dans les 2-3 jours qui suivaient. Mais vu que j'ai réussi à avoir GTA 5 sur PS4, du coup, bah, j'ai geeké comme un porc sur GTA 5 PS4. Et j'ai un peu abandonné Black Ops 2 et ainsi que ma PS3. Ah bah ça va déjà bien avec une petite scarache. Qu'est-ce que tu... Voilà, alors ça, c'est le genre de truc que je déteste sur Black Ops 2. C'est les mecs avec leur putain de sniper qui assument pas leur snipe. Ils ont un sniper, ils sont obligés de prendre une arme. Ou un pistolet, ça me gave. Moi je joue au sniper, je n'ai pas de secondaire sur mes snipes. Ça c'est le genre de truc qui me gave. Voilà, mec, assume ton snipe, putain. Ah, ça me fait rager ces mecs là comme ça, qui savent pas jouer. J'ai de prendre une secondaire, putain. Ça me gave. Et surtout, ce qui est rageant avec le secondaire, c'est que... Et voilà, et là, c'est un sniper, là, par contre. Et que ça fait plus de 12 mètres. Attention pour le sniper, hein. Et que le mec commence à nous rusher un peu. Ah, on va switch, on va prendre la secondaire. Bande de merde, putain. Bon, je suis désolé, en fait, les gens, je crois que c'est une vidéo impact... comment bien rager, comment bien faire rager un pack derrière. Voilà, et là prend une arme, bâtard, bah. Grosse merde. Et il campe à deux, bande de chiens. Voilà, alors ça c'est les parties typiques que je déteste sur Black Ops 2. Soit il y a deux mecs qui campent et vas-y sors ton pistolet toi. Soit il y a deux mecs qui campent au même endroit. Avec des charges électriques. Alors allez savoir pourquoi ils sont à deux. Ou alors, les mecs ils prennent le sniper et ils n'assument pas leur snipe. Recharge.
Que tu foutais là-bas, toi? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? En plus, je parle pas français. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Putain. Faut qu'on se calme. On se calme. Hashtag impact fait du yoga. Toi, tu dégages, connard. Toi, tu dégages aussi. Bitches. Ils veulent camper, il n'y a pas de souci, on va camper. Alors, je fais mes courses comme d'habitude. Bon, désolé là, si les gens je parle pas, c'est juste que je suis un peu concentré. Oh putain! Bande de merde. Allez. C'est bien, c'est plein de... Mais qu'est-ce qu'il foutait là, putain, mon drone? Il foutait quoi? Il était en mode pause aussi, lui? Il était en mode jour férié? Bon. Bordel. Bordel, bordel. Oh, mais prends tes balles, toi. J'imagine pas les... Je rage tellement que je ne sais même plus parler. Bon. Putain. Ah, bien trouvé un... Voilà. Toi, dégage avec ton C4. Ah oui, alors le truc des C4 aussi. Le truc des C4 qui vole, c'est bon. Ça va bien 5 minutes là aussi. Ça vole 10 mètres. Ça va. Que ça vole 20 mètres parce que t'as de la force. Parce que ton perso est costaud à la limite. Mais que ça vole toute la map. Enfin, je dis, faut peut-être pas abuser non plus, les gars. Hein. C'est un C4, c'est pas un oiseau. Hein. C'est pas un pigeon exploseur. Hein. C'est un C4. Dans la vraie vie, on ne jette pas les C4 à travers toute une ville. À moins que la ville fasse 3 cm sur 3 cm. Sinon, ceci est impossible. Bon, sinon, niveau gameplay, bah, comme je vous ai dit, hein, ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué. 2 semaines. Donc, je rage comme un gros porc parce que j'ai plus aucun level. Je n'ai plus les touches en main. Donc, je crois que je vais vous laisser sur ces trois petits gameplays. Trois petits gameplays à chier, je précise. Donc, je vous laisse et j'essaierai de faire des vidéos plus souvent. J'essayerai parce que là en plus, comme c'est en fin d'année, donc on me voit derrière, je suis là-bas. Donc, comme c'est en fin d'année, j'ai quelques petits examens à passer, quelques petits gros devoirs, enfin, quelques gros devoirs à passer. Donc, j'essaierai de vous en proposer d'ici la fin de semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine. Donc, je sais pas, ça sera à voir. Donc, je vous laisse. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao, c'est Jean.